Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play sur Chibi-Robo. Alors Chibi-Robo, mais qu'est-ce que c'est? Bah Chibi-Robo, c'est un jeu totalement what the fuck, très atypique hein, pour le coup. Alors il est sorti sur Nintendo GameCube en France le 26 mai 2006, oui c'est ça. Développé par Nintendo, édité par Skip qui est un petit peu moins connu. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, dans ce jeu, on incarne un petit robot et on aura pour but de nettoyer un peu la maison, et tout autour de ça, on aura des quêtes. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah, faut le découvrir. C'est parti. Alors j'avais déjà une partie, hop, voilà, on la supprime. J'avais déjà testé le jeu, je ne l'avais pas fini, il me semble, c'était il y a quelques temps, donc je joue sur émulation, sur émulateur. Je possède le jeu en vrai, jeu qui est très très rare de nos jours en français. Alors les dialogues. Alors déjà, vous voyez, on se retrouve un peu dans un univers, mais un peu enfantin, j'ai envie de dire. Mais voilà. Joyeux anniversaire Jenny. Donc Jenny, c'est la petite fille, d'accord. C'est la grosse teuf et tout. Et voilà, un magnifique chapeau de la part de ta maman adorée. Ok. Vous voyez les personnages un petit peu rétro. Avec la décoration et tout et tout. Donc la gamine qui a un chapeau de grenouille, d'accord. Et bien quoi? Jenny, tu as 8 ans maintenant. Ouh là là. Tu ne peux plus te promener avec ce costume de grenouille à longueur de journée. Donc voilà, c'est une famille un peu à problème. Donc voilà, et parle en, la gamine parle en langage grenouille. Oui, tout à fait. Oh, Jenny. Ouf, d'accord, très bien. Mais regardez la tête du chien, quoi. Enfin, rien que ça, ça montre un peu l'univers, l'ambiance du jeu. Oh, toi aussi, Tao, tu as un cadeau pour Jenny? Ouais, les yeux qu'il a, quoi. Il a un œil, mais... D'accord, donc il offre un os, c'est tout mignon. Oh, le père aussi. Donc ça, c'est le père. Hein. Il fait flipper. Bon chien, Tao. Mais comment as-tu fait le nœud? D'accord. On se demande. Ok. Bon, à mon tour, maintenant. D'accord. Tu vas adorer mon cadeau, Jenny. Donc si vous voulez que je monte le son, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci. J'arrivais pas trop à régler. Quel barrettineur. Ok, donc. D'accord. Les yeux de la gamine, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais bien qu'on ne peut pas se permettre. Mais Jenny a dit qu'elle en voulait un. D'accord. Oh mon chéri, tu ne trompes personne. Dis plutôt que tu en voulais un pour toi. Alors la famille est un peu bizarre déjà. Calme-toi, voyons. Nous en reparlerons plus tard. Qu'apparemment il manque un peu d'argent. Qu'en dis-tu, Jenny? Il est chouette, non? Quoi? Ok. Première cinématique. Oula. Donc ça, c'est nous, là, qui regardons. Ça, c'est notre pote. Tiens-toi prêt, Chibi-Robo, ça va être à toi. Ok. Ce jeu est totalement what the fuck. Regardez la toux. La tête du père, quoi, les expressions. Vous êtes prêts? J'appuie sur le bouton. Ça, c'est typiquement japonais. Hein. Cette ambiance un peu... Attention. Le voilà. Alors? Ah. Monte un peu le son quand même. On va essayer d'apprécier. Je vais baisser parce que... Voilà, gros stuff, j'arrive, attention les yeux.
bon stuff. Et voilà. Tout ça pour ça. Yeah, chimie robot. Donc nous voilà, tout petit, tout mignon. Bonjour à tous. Salut. Donc pour vous présenter un peu les personnages, le père c'est un peu le grand gamin. Il a plein de jouets, il collectionne les jouets. Notamment un, dont on verra plus tard. Le chien il... pas grand chose, il nous embête un peu. La gamine, elle se prend pour une grenouille. Voilà, je pense qu'elle a quelques troubles du comportement. Et la mère, bah, elle est dépressive. Voilà, donc, en gros, c'est pas totalement ça. Et cette famille n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Mais pourtant, ils ont acheté un chibiro. Nous venons vous apporter le bonheur. Je m'appelle Telly et voici Chibirobo. Alors oui, notre objectif dans le jeu, ce sera d'apporter du bonheur aux gens. Tout à fait. Incroyable. Bon, je vais pas faire les bruits de grenouille, voilà. Vous avez compris. Oh, c'est une fête d'anniversaire. Exactement. Oh oh, Chibirobo. Et nous qui nous présentons les mains vides, nous devons trouver un cadeau pour Jenny, et vite. Voilà. Donc ce jeu, au début, il peut paraître un peu déconcertant, on comprend rien. Mais vous verrez, au fur et à mesure du jeu, on s'attache vraiment à notre petit robot. Et c'est vraiment sympa, quoi. Chibi robot, cette fleur serait parfaite. Donc ça sera un... Donc là, hop, je peux répondre oui ou non. Bon, on va dire oui. Alors c'est à toi de jouer, Chibirobo. Voilà, on aura plusieurs missions dans le jeu. Voilà, ce jeu peut paraître un peu déconcertant au début, je suis d'accord. Hop, donc on peut escalader un petit peu tout. Waouh, c'est formidable, Jenny. Donc le père qui est en extase devant nous. Ce jeu, c'est du grand n'importe quoi, mais du bon n'importe quoi, c'est... Hop, j'attrape la fleur. La rose, pardon. Extraordinaire! Fantastique! Sensationnel! Génialissime! Voilà, donc c'est un petit peu... Ce jeu est dingue. Vous verrez, au milieu du jeu, c'est... Super! Excellent! Voilà, donc... Le père est dans tous ses états. Chibirobo, tu devrais utiliser ton Chibicopter. D'accord. Il fait partie de ton équipement standard. Tu n'as qu'à t'en équiper pour l'utiliser. Il ne permet pas vraiment de voler. Mais, par contre, il te permet de ralentir ta chute afin de descendre d'un endroit élevé sans dommage. D'accord. Donc on aura plusieurs équipements, d'accord. Ouais. Appuie sur un, tu peux bouger. Bon, ça je m'en fiche, je connais les commandes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je gère. Bon, et aussi, ouais, ce let's play, je ne l'ai pas vu en français, du moins. Je peux que tu fasses une nouvelle, d'accord. Je ne l'ai pas vu en français, je disais, et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un jeu qui mérite vraiment d'être connu parce que c'est un jeu totalement what the fuck. Vraiment rare de nos jours. Regardez rien que l'ambiance générale et les graphismes un peu. C'est génial quoi, regardez. Regardez le père! Regardez! Regardez-le! Non mais ce jeu est juste génial, voilà. Je vais faire comme le père, je vais être en extase devant tout. Regardez, rien que le verre de champagne, on dirait une aspirine verte, c'est dégueulasse. Non, c'est pas grave. Alors, normalement, je peux passer en vue... Oula, pardon. D'accord, je peux passer en vue robot. Pour éviter... Non. Ah non, faut que je range le truc. D'accord. Ok. Bon, au début, ça va être cinématique, hein. Beaucoup de cinématiques, mais au fur et à mesure du jeu, il y en aura plus beaucoup. On sera vraiment livré à nous-mêmes par moment. Donne la rose à Jenny. Si je fais non, ça fait quoi? Bon, non, on va être mignon. On va lui donner la rose. Rose. J'adore les roses.
Oh, elle a rougi, c'est trop mignon. Et voilà, donc, on reçoit des points bonheur à chaque fois qu'on fait donc le bonheur de quelqu'un. Et de l'argent aussi, voilà. Monnaie du jeu, donc la monnaie du jeu, ce sont des monis. Voilà. En rendant les gens heureux, tu gagnes des points bonheur et des monis, voilà. Et en gagnant beaucoup de points bonheur, tu montes au chibi classement. Voilà, donc il y aura un classement. Et notre but, donc, ce sera d'avancer le plus loin possible dans le classement. Maintenant que nous avons offert les cadeaux, c'est le moment de souffler les bougies. D'accord. Attention. Allez, une, deux. Ah, bravo. Moi aussi, j'applaudis. Voilà, donc un jeu, mais... génial. Vraiment, vous verrez, hein. Vous pouvez vous demander ce qui se passe, mais c'est vraiment un bon jeu. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais bon, c'est un jeu très rare, qui cote dans les 50 euros, voire plus, hein, de nos jours. Enfin, si vous arrivez à en trouver un, du moins, parce que moi, j'en avais acheté un à l'époque, sur eBay. Mais c'est vrai que j'en ai pas trouvé d'autres, hein, depuis. Voilà. Bon travail, Chibi Robot. Tu avais l'air un peu nerveux au début, mais tu t'en es tiré comme un chef. Merci. Écoute-moi bien, nous devons nous rendre utiles aux Sanderson, n'est-ce pas? Donc la famille s'appelle Sanderson. Alors, ajustons ton total de points bonheur. Donc à chaque fois qu'on sera dans ce bâtiment, enfin dans notre sorte de cocotte minute, notre vaisseau, on aura possibilité donc de se brancher pour donner nos points bonheur. Donc on est passé de la place, de la millionième place, ah oh, c'est dur, à la place 777 445. Très bien. Pour obtenir la prochaine extension de batterie, il te faut encore 60 points bonheur. Donc voilà, à chaque fois qu'on montera une étape en points bonheur, on aura plus d'énergie et on pourra aller plus loin. Parce que là, on ne le voit pas, mais on a de l'énergie. Pour quand on se déplace, on dépense de l'énergie. Voilà. Quand on fait le ménage aussi. Ce qui est plutôt logique puisqu'on est un robot. Si tu atteins la première place, tu recevras l'amélioration Super Chibi Robot. Crois sur parole ton serviteur télévision, je ferai tout mon possible pour t'aider. Alors, je sais pas si vous avez remarqué le vieux jeu de mots pourri, hein. Bon, ça Nintendo, ils savent bien faire. Télévision. Voilà, notre pote qui ressemble à une télé s'appelle Télévision. Voilà. Du grand humour, du très grand. Tu peux compter sur moi. Non, mais c'est marrant. C'est marrant. Oh ! Pendant que tu es là, Chibi Robot, tu veux sauvegarder ? Bah écoute, vas-y. Ça dure pas longtemps, il me semble. Hop, voilà. Très bien. Tu sais certainement que tu peux recharger ta batterie et sauvegarder la partie en branchant ta fiche électrique dans n'importe quelle prise de courant de la maison. Ta fiche électrique? C'est quoi ça? La fiche électrique? Bon, c'est pas grave. C'est sûrement une petite faute. Mais n'oublie pas de revenir à la chibistation pour ajuster ton total de points bonheur. Donc là, nous sommes dans la chibistation. La sorte de cocotte minute marmite dans laquelle nous sommes arrivés. Allez, sors gagner des points bonheur, machin, machin. On y va. Voilà. Donc, on retire notre prise. Enfin, notre prise, oui. Et on ramasse les diablotins usagés. Les ordures à la poubelle. Voilà, donc, en ramassant toutes ces cochonneries, on a possibilité de gagner des points bonheur. Qui nous seront très utiles, du coup, pour augmenter dans le chibi classement. Alors là, nous sommes sur le menu Chibi Serveur. On a un magasin en ligne, pardon, et un recyclotron. Recyclotron qui ne nous sert à rien pour le moment. Et donc dans le magasin, voilà, on peut acheter pas mal de choses, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Je vous montrerai ça plus tard, quand on aura plus d'argent. Et voilà. Donc tout dans ce jeu s'appelle quasiment Chibi. Voilà. Tous nos ustensiles, ça sera Chibi machin, Chibi... Chibi robot, Chibi copter, Chibi... enfin bref. On sort. C'est tout mignon. Monsieur Sanderson, voyons.
J'essayais de faire des petits bruits, mais... Je remets mon casque, excusez-moi. Parce qu'il me tombe de la tête. Voilà. Il s'est tellement amusé à cette fête qu'il s'est écroulé de fatigue. Ça doit être l'émotion. Mais pour l'instant, regarde en haut de l'écran. Donc ça, c'est très important. Tu verras le symbole du soleil pendant la journée et celui de la lune la nuit. La lune est levée en ce moment, cela signifie qu'il fait nuit. Donc voilà, en haut à gauche, on a ce qui ressemble à une lune. Et ça signifie que c'est la nuit. Et une fois que ce petit symbole... Enfin, vous verrez, là, on a un petit chiffre 5... qui signifie qu'on a 5 minutes, que la durée de la nuit dure 5 minutes. Voilà. Plus tard, on pourra augmenter la durée d'une journée. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Alors, vous voyez, on peut escalader un petit peu tout. C'est un jeu un petit peu de plateforme. On va essayer. Déjà, pour cette première nuit, il n'y a pas grand chose à faire la première nuit. Donc on va se concentrer sur le ramassage des ordures. Voilà, tout à fait. On est dans un jeu où il faut faire le ménage. Non mais je vous rassure, il n'y a pas que ça dans le jeu. Heureusement d'ailleurs. Donc là ça sert pas à grand chose de monter, mais bon, on va y aller quand même. Donc, comme vous pouvez le voir en bas à droite, on a donc notre énergie, c'est notre batterie. Et une fois que cette batterie tombe à plat, arrive à zéro, et bien, on est envoyé à la chibi station et on perd un petit peu d'argent. Voilà. Mais dans le jeu, on ne peut pas perdre. Enfin, on peut pas mourir définitivement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on va regarder un peu aux alentours ce qui se passe. Là-bas, vous voyez, en arrière-plan, il y a une sorte de bestiole qu'on ira voir juste après. Ah, petite cinématique. Enfin bon, sur le jeu, je vous l'expliquerai un peu au fur et à mesure, parce que je peux pas tout expliquer d'un coup, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, si je reste un petit peu flou dans mes explications, ne m'en voulez pas. C'est qu'il y a tellement de choses à dire sur ce jeu que... C'est impossible de tout dévoiler dès le premier épisode. C'est la brosse à dents de Monsieur Sanderson, mais on peut la prendre, il ne le verra peut-être pas. Et avec ce magnifique instrument, nous viendrons à bout de toutes les tâches. Donc voilà, on a gagné notre premier objet, qui est une brosse à dents. Tout à fait. Et grâce à cette brosse à dents, nous pourrons essuyer, laver les tâches, là, comme celle-ci par terre. Oh! Tiens, regarde une tâche juste devant toi. Et si tu y mettais un bon coup de brosse? Donc ça prend énormément d'énergie hein, d'utiliser la brosse. Hop, faut que j'appuie. Hop, à répétition sur le bouton. Voilà. Donc les ordures reviennent un petit peu tous les jours. Du coup, on a toujours quelques ordures qui traînent. Donc on pourra pas tout nettoyer. Parce que ça revient. Ce qui est plutôt bien, puisqu'on pourra se faire pas mal de points bonheur grâce à ça. Ça sera une de nos principales sources hein, pour obtenir des points bonheur. Je vais vous montrer tout de suite. En s'approchant de la poubelle, on peut jeter donc, tout ce qu'on a ramassé. Voilà, hop, les papiers de mouchoir ou je sais pas quoi. Eh bien oui, tu reçois aussi des points bonheur en jetant les déchets à la poubelle. Voilà, c'est ce que je disais. Là, on a des serpentins. On gagne 6 et 60. On gagne pas mal d'argent à faire ça. Hein. Hop, voilà. En tout, on a gagné 24 points bonheur et 150 monis. Ce qui n'est pas grand chose, mais au début du jeu, c'est quand même pas mal. Donc, on peut tirer les meubles comme ceci pour se faire un petit chemin pour monter sur le meuble. Voilà. On peut vraiment interagir avec un petit peu. Tout le décor, pas tout mais une bonne partie. Je vais aussi vous montrer un peu ce que c'est que cette étrange chose là, jaune et bleu et grise, tout à fait. On va prendre le chibicoptère pour pouvoir, hop, et ben non, je me suis raté. Fail, il va y avoir du fail aussi hein, pendant ce let's play.
Ça, je peux vous le promettre. Le fail, je sais faire. Voilà. Pourtant, ce jeu, j'ai déjà joué, mais voilà. Deuxième fail. Désolé, hein. Je me remette un peu au jeu. J'ai beau le connaître, je ne suis pas un très... J'ai pas un super niveau non plus. Enfin, sur Shibirobo, il n'y a pas non plus trop de niveau à avoir. Voilà, j'ai réussi. Alors, notre batterie est presque vide. Alors ça, c'est embêtant, parce que on va avoir besoin d'énergie pour ouvrir cette chose. Voilà. Donc, cette chose-là, en fait, c'est une porte. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite porte. C'est bizarre, je ne trouve aucune information relative dans ma banque de données. Donc là, attention, ne devenez pas dingue. Voilà. C'est une petite pièce, on en retrouvera plusieurs. Où il y a des yeux, comme les nôtres, qui tournent dans les airs. Mais c'est très psychédélique. Hein. Voilà, quand je vous dis que ce jeu est what the fuck, c'est qu'il est what the fuck. Hein. Voilà. Pas la peine de s'en faire des cheveux blancs, tout à fait, mon petit Ellie. Puisque ces portes ont les mêmes yeux que toi, appelons-les des chibi-portes. Bah oui, tout à fait. Donc voilà, des chibi-portes. Alors je vais vous montrer ce que ça fait que... mourir, enfin entre guillemets. Ah non, je peux pas. Non, bon. On va essayer quand même. Je vais me laisser pas mourir, mais m'évanouir, arriver à zéro, pour vous montrer ce que ça fait. Et puis parce que j'en aurai besoin aussi. Mais juste une fois, hein. Ce sera la seule fois où je ferai exprès. Donc on peut ramasser les brindilles aussi. Tac. 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 Voilà. Donc on ira voir donc ce petit personnage juste après qu'on soit tombé dans les pop. Hop, vous voyez qu'en marchant on perd de l'énergie. On va ramasser tout ça histoire de se faire quelques points bonheur plus tard. Voilà, toujours ça de prix. Est-ce que je peux ramasser ça avant de tomber dans les pommes? Ouais, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on aura à récolter. Essayez de ramasser cette petite pièce, vite. Ah, on a réussi. Voilà. Tac! Donc, notre batterie est tombée à zéro. Notre petit robot tombe dans les pommes. Petite musique triste. Hop, on est téléporté à la chibistation. Et là, mais what the fuck? Mais oui, tout à fait, cette télévision qui pleure, qui nous fait une rivière, une flaque d'eau. Et vous pouvez voir que ses larmes ne sont pas proportionnelles parce qu'il a un œil plus grand que l'autre et du coup ça fait un plus grand, comment dire, un plus grand G d'un côté que de l'autre. Ils ont vraiment pensé à tout ça. Les développeurs sont vraiment drôles. Je sais pas ce qu'ont pris les développeurs, enfin le réalisateur du jeu pour faire ça, mais le gars il est parti trop loin quoi. Génial. Donc je me relève, vous voyez que j'ai un petit costume en bandelette. Tu es vivant. Moi j'étais mort d'inquiétude. Souviens-toi que tu es un robot. Si ton énergie tombe à zéro, tu t'éteins comme ça vient de t'arriver. Surveille ta batterie et recharge-la régulièrement sur une prise de courant. Mais bon, ne t'inquiète pas trop si tu tombes à court d'énergie. Ton fidèle ami Télévision, c'est moi, sera toujours là pour te ramener à la chibistation. D'accord. Oh, et encore une chose. Si tu veux enlever ton costume urgence, appuie sur un... Voilà, F. Oh, tiens, on dirait que tu as perdu des monis. Hein? Mais j'y suis pour rien. Voilà, donc, à chaque fois qu'il va nous ramener à la chibistation, si on tombe, si on s'évanouit, il nous prendra des monis. Voilà. Donc, on va éviter. Parce que les monies, c'est important. Chibi robot. Alors, il va nous dire un truc. Tu peux à présent acheter des chibi batteries dans la boutique en ligne. D'accord. Avec ça, quand tu tombes à court d'énergie, tu en récupères un peu pour aller recharger. Bon, c'est pas très intéressant. Ça peut s'avérer très utile, d'accord. Alors, on va ajuster nos points bonheur.
Au chibi classement, tu es passé de la place 777 445 à la place 439 568. J'ai réussi. Pour obtenir la prochaine extension de batterie, il te faut encore 30 points bonheur. Très bien. C'est faisable. On y va. Donc tu es là, Chibi-Robot, tu veux sauvegarder. Oui, tout à fait, je voudrais sauvegarder. Voilà. Tac. Ah, attendez. Ces larmes là, sa petite flaque, on peut la nettoyer. Voilà, on a gagné 7 points bonheur. C'est gratuit. On prend. Donc on est de ressortie. On va aller voir cette fameuse... Ça ressemble à une chenille. Cher journal, me voici toujours au même poste. La tête dans le salon et le reste dans la cuisine. D'accord, très bien. Pas de soucis. Tao m'a encore laissé tomber. Comme d'hab. Donc le chien l'a laissé tomber. Ah oui, c'est le jouet du chien en fait, ce personnage. C'est Sophie, je crois. D'habitude, il m'abandonne par là. Sophie, la chenille. Normalement, ça aurait dû être une girafe, mais bon. Mais ce soir, il était fatigué et maintenant, je peux voir Stardrake faire ses rondes. Alors, Stardrake, un personnage important. Oh, j'ose à peine le regarder, ce chevalier en armure brillante. Ah! Donc, le jeu totalement what the fuck. Le jouet du chien qui parle et qui fantasme sur un autre jouet. Monsieur Stardrake, quel heureux hasard. Vous cherchez l'amour pendant vos rondes. Oula! Elle nous a vus. Moi, je le fais bien. Mais tu lorgnes mon journal. Quel mal appris. Oh, qui es-tu? Donc tous les jouets sont vivants dans cette maison. Seulement la nuit, quand il n'y a pas les personnages. Eh, que se passe-t-il? Un peu comme dans la nuit au musée. Waouh, comment? Ce jouet parle. Comme tous les jouets ici, hein. Ce n'est pas pareil dans les autres maisons. Ah bon? Waouh, je suis impressionnée. Il y a donc d'autres jouets ici? Oh, je ne suis pas présentée. Je suis Télévision. Et voici Chibi-Robot. Chibi-Robot? Mais, ce costume... Oh, celui-là! Oh, n'y prête pas attention. C'est juste un costume de rien du tout. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Je m'appelle Sophie. Très bien, Sophie. Quelle joie de faire ta connaissance. Tout à fait. J'étais en train d'écrire mon journal et je croyais que vous essayiez de regarder. Quelle peur! Normal, cela arrive tout le temps. Chibi-Robot est petit, il se faufile un peu partout. Oh mon dieu! Non, pas sous-entendu. Chut. Je te présente mes excuses pour lui. Nous sommes désolés si nous t'avons fait peur. Donc Chibi-Robot est un petit peu... bizarre. Tant que vous n'avez rien lu sur mon amour secret et brûlant pour Stardrake, tout va bien. Bah tu viens de nous l'avouer en fait, mais c'est pas grave. Mais pourquoi t'excuses-tu pour Chibi-Robot? Ah, je suis content que tu poses la question. Présenter ses excuses est une des principales tâches d'un manager. Tu es son manager? Vraiment? Waouh, c'est dingue. Attends, je dois mettre ça par écrit pour ne pas oublier. Oula. Les filles et leur journal, ça risque de prendre un certain temps. Je vais y aller. Ouais, bon. Donc oui, il y a beaucoup de cinématiques pour ce premier épisode. On va essayer de lui reparler vite fait. Manager, c'est la première fois que j'entends ce mot, mais cela semble très important. Chibi-Robot et Telly semblent très proches. C'est agréable d'avoir des amis si gentils. Ouais. Stardrake patrouille encore dans le secteur. J'adore le bruit si viril de ses bottes sur le sol. Chaleur. Si un jour Drake prend sa pose devant moi, je crois que je partirai en courant. Ce jeu est énorme. Je serai tellement embarrassée. Donc ce jeu, c'est... What the fuck, quoi, c'est... Pas d'autre mot. Quoi? Ah, les gros yeux comme ça, mais c'est énorme, quoi. Tu essaies de lire mon journal? Encore? Non, c'est pas vrai. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Ne lis jamais le journal d'une fille. Ses pensées les plus intimes y sont notées.
Ah ouais, d'accord. Très bien, ça donne des bonnes idées. Et si je leur parle encore une fois? Si un jour Drake repose la même chose. Donc ça, c'est un indice. Hein. Ça nous servira plus tard. La pose de Drake. Voilà, voilà. Voilà, voilà. D'accord. Bon. Et ben on va finir la journée. Donc il nous reste, vous voyez en haut à gauche, c'est notre jauge donc de déroulement, de défilement de la journée, enfin de la nuit. Et donc on est en dessous de la moitié, donc on a encore plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? La télé qui grille. Tiens, étrange, j'ai l'impression que la télévision s'est allumée toute seule. Ouais, on va aller voir ça tout de suite après. Je nettoie un peu. Voilà. Conchita, Chibirobo, c'est moi. En fait, ils auraient dû l'appeler Conchita, hein. Ça aurait été mieux. Hop. Yesui, la bonne. Je suis la bonne. Donc la télé qui pète un câble. Avec le grésillement et tout, c'est... Ah, j'aime pas ça. On va ramasser les petits... Tout ce qu'on trouve. Et puis, on va regarder un petit peu cette petite cinématique. Et puis, on se laissera juste après, parce que là, on a beaucoup de dialogues. Un épisode qui dure assez longtemps. Oula. Voilà Star Drake. Tac, tac, tac. Le beau gosse de tous les jouets. Tant de confusion, tant de conflits. On parle de mal, on parle de justice. Qu'en est-il du mal et de la justice? Suis-je bien du côté je sais pas quoi? Ou ne suis-je qu'un idiot, un égaré? Voilà. Non, je me bats pour la justice. Donc voilà ce jeu. Ceux qui entendent rouler la paix goûteront à ma fureur spatiale. Donc quand on regarde son costume, on dirait un costume de poulet, de poule, je sais pas vous. Et en dessous de son costume, c'est... Il y a une tête d'humain, donc je sais pas. Justicier galactique, Star Drake. Ouais, bon. Ok. Très bien. Star Drake, petit malin. Tu ne relâches jamais ta vigilance. D'accord, donc il parle de lui à la troisième personne. On va lui parler. Excuse-moi, bonjour. Et voilà, il nous refait tout son cirque. Justicier galactique, Star Drake. Bonjour, Chibirobo. Eh bien, tu ne réponds pas. Code du justicier galactique, article 1. Salue tout le monde en hurlant. Ouais. Très bien. Tu as peut-être été choqué de voir des jouets bouger tout seuls. Ouais, légèrement. Ne t'inquiète pas, les jouets de cette maison bougent et parlent quand ils sont seuls. D'accord. Assez parlé, Star Drake est fatigué. Soyons amis, peut-être... Non, petit être chétif. D'accord. Simple conseil, tu devrais faire de la justice un mode de vie. Et Star Drake peut t'aider à résoudre ce problème. D'accord. J'ai un petit cadeau spécialement pour toi. Donc parfois les dialogues buguent un peu. Ah 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 oh. Voilà, j'ai réussi. Les dialogues buguent un peu et ils s'affichent un petit peu moins vite. Mais c'est pas grave. Star Drake. Donc on obtient le costume Star Drake. Tu veux que je t'explique comment le mettre? Non, surtout pas. Ah 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 ah. Pas bête du tout. On fait la paire à ce que je vois. Enfile-le. Ne fais pas attendre Star Drake. Montre-moi de quoi tu as l'air. Je t'apprendrai ce qu'il y a à savoir sur la justice. Voilà, donc ce jeu... Ce jeu aura notre mort, moi je vous le dis. Donc on met notre costume, on le regarde. Machin, machin... Il nous fait tout son cirque. Cela te va bien, mon petit ami? Tu veux te battre aux côtés de la vérité et de la justice? Ne nie pas. Star Drake sent ces choses. Ouais, d'accord. Je dis oui parce que oui, mais... Ah 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 ah. Voilà. Merci. Merci, je sais.
Ceci, mon ami, est ma spécialité. Tu vas aimer la promenade, crois-moi. Bien, garde à vous. Oh, j'en ai marre de tous ces dialogues. Enfin, c'est assez drôle, donc ça va. Écoute-moi, mon petit ami en fer blanc. Je t'écoute, mon grand ami. À la tête de poulet. Aujourd'hui, tu vas passer l'épreuve de la justice. Ce sera long, difficile et périlleux. Mais tu dois t'y plier, quel qu'en soit le prix. Prêt, c'est parti. Écoute-moi, écoute-moi bien. Code justicier galactique, article 2. Pas de justice sans pause. Donc on va devoir faire une pause. Tu ne pourras jamais servir la justice sans maîtriser ceci. Tiens, tiens. Tu dois être télévision si je ne m'abuse. Waouh, comment connais-tu mon nom? Ah 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 ah. J'arrête. Pour rendre la justice, il faut être bien informé. Waouh, c'est impressionnant! Nous sommes sur le point d'effectuer des manœuvres dangereuses. Replie-toi. Alors, tu es prêt? C'est parti. Lorsque je commence ma pause, appuie sur Z. D'accord. Ah 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 ah, trop facile, non? Voilà, je suis tellement blasée que je ne dis plus tous les dialogues. Tu peux y arriver, Chibi-Robot. Et on y va. C'est parti. Justice! Ah, excusez-moi. J'ai oublié d'appuyer. Non, par les nuages de gaz du Titan. Non, n'oublie pas d'appuyer sur Z. Alors attention, je me concentre. Trop tard. Je vais y arriver, hein, vous en faites pas. Trop lent, bien trop lent, on réussit. J'ai réussi. Waouh. Oh, la réaction. Justice Galactique, Star Trek. Regardez télévision, quoi. Les yeux qui lui ont sorti de leurs orbites. Waouh, c'est génial. Tu es le meilleur, Chibi-Robot. Je sais, je sais. Je suis impressionné, Chibi-Robot. Pardon, Justicier Galactique Chibi. Je suis fier de te nommer 99e Justicier Galactique de l'univers. Bravo, Justicier Galactique Chibi. Star Drake, Justicier Galactique t'a donné 19 points bonheur. Très bien. Tu as reçu 100 monis. Continue à répandre le bonheur. D'accord. Est-ce que je peux m'en aller? Non. Chibi Robot, tu maîtrises l'action Z de Star Drake. Montre à tout le monde ce que tu peux faire. Donc évidemment, je ne dis pas ce que cet habit est symbole de justice. Donc évidemment, cette pause, on va l'utiliser devant Sophie. Sophie qui est perdument amoureuse de notre ami Star Drake. On va aller lui faire notre pause. Tout de suite, maintenant, c'est parti. Donc quand on marche, il y a des petits bruits. Qui change selon la surface sur laquelle on marche. Voilà, voilà, c'était la petite anecdote. Hop, bonjour. I'm sexy and I know it. Hey! Oh, oh, Star Drake! Non! C'était quoi ce bruit? Ce doux bruit? Serait Star Drake? J'y crois pas. J'adore vos patrouilles. Non, Sophie, non, je suis trop bête. Ah ah! Non! Voilà, elle s'est tirée. On lui a fait peur. Qu'est-ce qui lui prend? Peu importe, on peut aller dans la cuisine. Voilà. Donc on a débloqué une nouvelle zone, on a perdu de l'énergie, c'est pas grave. Je sais pas si c'est la peine qu'on se recharge. On va aller se recharger à l'intérieur. Hop. Et puis, on se laissera juste après. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du jeu. Déjà, dans ce premier épisode, beaucoup de dialogues, hein, je suis d'accord. Énormément de dialogues, mais c'est le premier épisode, c'est normal. J'aimerais connaître vos premières impressions, si ça vous plaît, si c'est un jeu qui vous aurait plu. Si vous aussi, vous trouvez ça what the fuck, mais génial, quoi, dans le concept. Voilà.
Dites-moi un peu vos impressions sur le jeu et aussi sur, sur le son, si vous voulez avoir vos impressions, si le son est assez fort, je pense que oui. Et voilà. De la place 439 568 à la place 95 500. Donc vous voyez, on est passé de la millionième place à la 99 000, je crois. Pour ton entrée dans le top 100 000, Citrusoft t'envoie en cadeau une toute nouvelle batterie bonus. Voilà, Citrusoft. Voilà. On ne fera pas de pub pour Citrusoft. Ton autonomie atteint maintenant 100, donc on a gagné 200 de batterie supplémentaire. Donc on est à 1000 maintenant. Pour obtenir la prochaine extension de batterie, il te faut encore 114 points bonheur. Pendant que tu es là, Chibi-Robot, tu veux sauvegarder. Donc je vais sauvegarder après. Je vais finir de parler. Donc, je voudrais vos impressions. Voilà, si vous aimez bien, un petit j'aime, un petit commentaire et peut-être un petit abonnement, si vous n'êtes pas abonné, voilà. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin bref, vous connaissez les bails, n'hésitez pas à me donner votre avis, tout ça, on pourra discuter du jeu. Hein. Et aussi, je voulais demander si parmi donc les gens qui verront, parmi les viewers hein, qui regarderont cet épisode, hein, s'il y en a quelques-uns qui savent dessiner, ou quoi que ce soit, qui pourraient me faire des fanarts sur Chibi-Robot parce que j'adore ce jeu et j'aimerais beaucoup avoir des petits dessins d'abonnés comme ça sur, sur le thème de Chibi-Robot. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, si jamais vous savez dessiner, vous en avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer hein, des petits dessins. Ça me ferait très plaisir. Enfin bref, vous connaissez les bails, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement, mais ça vraiment, c'est le top quoi, si ça vous a plu. Enfin bref, moi je vous dis bonne détente, un petit peu de what the fuck et tout ça, portez-vous bien, détendez-vous par ce beau temps, et puis bye bye bye, et puis rendez-vous pour le deuxième épisode hein, qui ne devrait pas tarder, salut salut !